are bringing on the table all the questions which are not discussed in the media. So that's why this conference becomes important, because it carries the message and it gives an opportunity for BRICS countries to tell the world what exactly we are and what are we aiming at. C'est une proposition au monde d'un modèle de coopération fondamentalement nouveau, du modèle qui est basé sur le dépassement des anciennes lignes de division. As of now, whenever BRICS is talked about, it almost some people say that BRICS is a question of the West versus the rest. Actually, that is not true. The West needs the rest, and the rest needs the West. Le fait que cette conférence ait lieu à Paris, j'espère qu'elle aura un impact et qu'elle attirera l'attention des autorités sur le fait qu'il résonne encore avec de vieux principes de géopolitique et qu'il ferait bien de se mettre un peu à jour. Que le monde est en train de changer et qu'il change très vite. It is very clear that the journalists and politicians of the transatlantic region have an extremely hard time to imagine that it could have governments who are devoted to the common good. To see ourselves as others see us is a rare and valuable gift, without a doubt. But in international relations, what is still rarer and far more useful is to see others as they see themselves. So the skeptics of BRICS, if they see BRICS as we see ourselves, probably they may understand it better. Il est essentiel que nos partenaires internationaux comprennent. Les BRICS n'ont pas l'intention d'entrer en confrontation avec qui que ce soit. Sa contenu, en fait, est une chose la plus importante, c'est la communication, la construction de la connexion de l'Asie et de l'Europe. 交通通道，这是第一位的。它的这个方法呢，就是实现共商、共同商量，然后共同建设。第三个是共同享受，所以简称为共商、共建、共享。这是我们的宗旨。这个就是中国主张的这个“一带一路”是一个开放和包容的这样一个合作的一个平台。 Both the post-World War II and the post-Cold War orders have become irrelevant. Many orders in history were changed as a result of wars and violent events. This time around, one hopes that it would be a peaceful process. Aujourd'hui, au-dessus de l'Europe orientale, ou même en mer de Chine, deux avions qui se frôlent et tout peut dégénérer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les responsables militaires britanniques. We are today in a situation which is more dangerous than the height of the Cold War. Sommes-nous enfin capables, Européens, d'éviter une nouvelle guerre? Pour cela, le test va être maintenant ce que nous pourrons faire pour la Grèce, c'est-à-dire en réalité pour nous-mêmes. Depuis son élection en janvier, le gouvernement grec doit affronter un coup d'État silencieux. Le but est de renverser le nouveau gouvernement, de le remplacer avec un gouvernement docile aux créanciers et en même temps de décourager les rêveurs électeurs de l'Espagne ou de notre pays, de l'Europe, qui croient encore à la possibilité d'élire des gouvernements opposés aux dogmes germaniques de l'austérité. Et la seule chose que je peux vous assurer, c'est que nous résisterons. On ne va pas être soumis. Nous demandons au peuple français d'être conscient de ses responsabilités historiques et que regarder ses dirigeants faire ce qu'ils font vis-à-vis de la Grèce, mais déjà vis-à-vis de l'Afrique, et vis-à-vis des autres parties du monde. C'est dangereux parce que l'impérialisme financier n'a pas de frontières. L'Occident mettra tout en œuvre pour garder la main mise sur les anciennes colonies. L'une des armes qu'il va utiliser est la dette. Ainsi, l'adage suivant a été parfaitement appliqué. Celui qui contrôle les finances d'une nation n'a pas besoin du contrôle total sur la gestion politique intérieure pour le vrai
pour être le vrai patron en tirant les ficelles en coulisses. And this is what Mahatma Gandhi very rightly said once, that the world produces enough for everybody's need, but not for everybody's greed. Nous devons comprendre ce qu'est réellement l'économie. C'est en réalité la conception de ce qu'est réellement un être humain que nous devons retrouver en nous-mêmes. L'être humain n'est pas un animal géopolitique, cherchant à occuper des territoires ou à contrôler des richesses au détriment des autres. Il est celui qui se définit par la découverte des principes de l'univers qu'il habite et qui modifie son environnement grâce à l'application de ses découvertes pour que lui-même et ses semblables croissent et se multiplient en vivant mieux. You can't separate mankind from continuous scientific progress. If you try and do that, you're denying mankind its very nature. We have to build up Southern Europe, the Middle East, Africa. We have to overcome hunger. We have to create a world which is livable for every human being. We have to create a new paradigm based on the common aims of mankind. And if we want to exist in 100 years, in 1,000 years, in 100 million years from now, we should prove that those geophysicists who say that mankind only arrived 1 second before 12 and will disappear 1 second after 12 are wrong. That mankind is the only so far known creative species.